Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi. Et aujourd'hui, on va parler du manga Irrésistible Ivresse. Le manga Irrésistible Ivresse est un yaoi en 3 tomes des éditions Taifu et nous sommes avec l'auteur Toku Kawai. Nous sommes sur une œuvre qui est dans le genre romance, tranche de vie, tout ce qui est plus classique et on va dire avec des adultes, donc... Voilà, si ça peut t'aider en plus de dire que c'est avec des adultes. Nous sommes sur une œuvre qui date de 2008 au Japon et de juillet 2011 en France pour son premier tome. La série est âge conseillé aux, je dirais, 15 ans et plus. On attaque pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures. Honnêtement, j'aime bien les illustrations, mais j'ai rien à leur dire. J'ai pas envie de te dire... Enfin, j'ai rien à dire en fait. Je vais pas te dire je les trouve trop belles ou je les trouve moches ou non, j'ai aucun en fait avis sur les illustrations. Je suis habituée à Toku Kawai, mais en fait, du coup, c'est pas un auteur qui va te faire en fait un peu de surprise au niveau de son dessin. Donc, je sais, en fait, je serais pas à te dire, t'expliquer pourquoi, mais voilà, je ne ressens rien. Ni de l'amour, ni de la négativité, rien du tout. Voilà, celle-là c'est ma préférée, mais c'est tout. Et voilà les deux autres. Voilà, je ne ressens rien. Je trouve ça joli. J'aime bien la façon dont c'est fait. Mais comme je connais Toku Kawai et que c'est toujours la même chose, bah je, voilà, j'ai rien à dire en fait. C'est ça qui est dommage. Je suis désolée pour mes cheveux, ça me stresse. Parce qu'en fait, c'est les pics, les picots qui font ça, qui font que je parais mal coiffée. Et je déteste être mal coiffée. Pour ce qui est de l'arrière, c'est l'ancienne façon de faire de Taifu. Donc rien à redire. C'est... Voilà, j'ai rien à dire, honnêtement. Après, quand on enlève la jaquette, on a la même illustration. Et on a une illustration en couleur qui est en fait celle que l'on voit ici. Tu vois, hop. Voilà, le tome 2. J'ai très très mal à mon poignet. Voici l'illustration. Et le tome 3. Alors, j'évite de le casser, le manga, mais voilà. Voilà. Donc, c'est tout. J'ai pas grand-chose à dire. Je crois qu'il y a des illustrations entre chaque chapitre. Donc, nous sommes avec le mangaka Toku Kawai. Et comme d'habitude, Toku Kawai a une qualité dessin assez ancienne. De toute façon, c'est un manga qui date de 2008. Mais il faut savoir que je connais cette qualité dessin car je possède presque toutes les œuvres de l'auteur. En tout cas, en France, bien entendu. Est-ce que tu comprends ce que je sous-entends là avec ce gros soupir? Oui. Nous n'avons pas tout en France, bien entendu. Toujours est-il, en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures d'un jeune homme qui travaille pour une société et on lui demande en fait d'aller voir le patron d'une brasserie assez régulièrement car il produit donc du saké et qu'ils aimeraient le mettre sur leur restaurant qu'ils ont à eux et ils ont plusieurs restaurants en fait même ailleurs dans d'autres pays etc. Et dans ce manga en fait le jeune homme passe son temps à aller justement tous les jours à cette brasserie pour essayer de convaincre le patron qui est une personne assez âgée vu qu'il est quand même grand-père et enfin ses petits-enfants sont de l'âge justement de notre protagoniste clé et c'est justement pour ça que une romance va pouvoir se créer entre notre salarié man et le petit-fils du patron. En ce qui concerne le manga, j'ai trouvé plutôt sympa, assez intéressant parce qu'on va aborder une romance du coup tout en douceur entre nos deux protagonistes clés qui sont donc le petit-fils et le salarié-man. Et on va voir aussi les tranches de vie avec justement la vie de producteur de saké. On va en apprendre un petit peu plus au fur et à mesure mais tout en douceur, ce n'est pas bourratif non plus et c'est ça que j'ai trouvé très agréable au niveau du scénario. Pour ce qui est du manga, je te dirais très clairement que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la façon dont c'était fait, la façon dont c'était abordé, le fait que la relation se fasse tout en douceur, le fait justement que le petit-fils, on va l'appeler comme ça, on va continuer de l'appeler comme ça, mette du temps à réagir vraiment comme un couple réel et c'est ça qui est plutôt sympa justement, c'est sa froideur, son côté pas du tout couple, etc.
qui est plutôt intéressante, non pas parce que j'aime les mecs par exemple qui ne sont pas tactiles ou des trucs comme ça, mais juste parce que je trouve que ça fait un petit côté très réaliste, un côté justement plus naturel et plus vrai au niveau de l'histoire, plutôt que les deux mecs qui vont directement s'aimer et ils vont directement le faire et s'aimer, se montrer des signes d'affection, etc. Donc c'est ça que j'ai su apprécier dans le manga. Pour ce qui est de l'ensemble, je te dirais que j'ai vraiment adoré l'histoire. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, à part des fois du petit moment calme, trop calme des fois, mais en fait, c'est ce qui fait le charme du manga parce que ça fait plus réel, plus naturel et plus histoire vraie. Donc c'est ça que j'ai su aussi énormément apprécier. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de liker, commenter ou pourquoi pas partager la vidéo. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ici les deux précédentes vidéos d'Aifu. Ma tête de panda pour t'abonner. Mes réseaux sociaux, mes nouveaux réseaux sociaux dans la barre d'infos. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!